Le jour se lève sur Herba Longue. Bienvenue à la distillerie Intimo. Nous allons distiller le genévrier nain cueilli la veille à Asco. Laurent et moi chargeons donc notre alambic de ces rameaux de genévrier. C'est ici une étape très importante dans la qualité et dans le rendement également de l'huile essentielle que l'on obtient. En fait, aucune cheminée ou aucun trou, si vous préférez, ne doit se former lors du chargement du genévrier. C'est donc parti pour la danse du genévrier. On fait aussi la danse du myrte, la danse de l'immortel, etc. Chaque plante a sa danse, comme un rite. Il faut compter parfois 1 heure de chargement pour un alambic, tant on s'applique à bien tasser ces plantes. Vous remarquez ici, le tas a bien diminué. On met entre 150 et 180 kilos pour le genévrier. Cela dépend bien entendu de la plante. Ici, on fait attention à ce qu'aucun branchage ne vienne gêner au moment de la fermeture. Laurent ferme donc l'alambic et on va lancer la distillation. On fera une vidéo beaucoup plus détaillée sur le processus de distillation, mais ici on va vous expliquer rapidement comment est-ce que ça se passe. Alors, fermeture des vannes, connexion du col de cygne au serpentin refroidisseur hop, on injecte la vapeur. Ferme la vanne de sécurité et c'est parti. La vapeur traverse d'abord les plantes, puis elle part le long de ce col de cygne en cuivre, puis descend ensuite dans un serpentin. Ce serpentin baigne dans de l'eau froide, donc la vapeur redevient eau. Ce que l'on obtient ici, c'est l'hydrolat, qu'on appelle aussi l'eau aromatique. Donc une eau empreinte de molécules aromatiques de la plante distillée. Cette eau coule dans ce qu'on appelle l'essencier. Puis au bout d'un quart d'heure, coule ici dans un bidon. On récupère certains hydrolats, pas tous. Puis 4 heures plus tard, il suffira à Laurent de boucher l'extrémité de l'essencier, puisque de l'autre côté coule toujours l'hydrolat. Eh bien, le fait de boucher, en fait, ça va faire remonter petit à petit le niveau du liquide à l'intérieur de l'essencier, et en surface est remontée, parce qu'elle est plus légère, l'huile essentielle. C'est donc de cette façon que nous la récupérons. Après plusieurs filtrations, voilà l'huile essentielle de genévrier nain. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. À bientôt!